Écoutez bien mon histoire, c'est l'histoire d'un gourmand qui n'a jamais voulu croire ses parents. Quand il lui disait « Prends garde à en manger comme ça, tu te transformes, regarde, en chocolat. » Car il descendait facile, quatre tablettes à la file pour commencer la journée. Tout ce qu'il mangeait ensuite, y compris le beefsteak frites, tout était chocolaté. Oh oh, bout de choco, faudrait pas que tu tombes à l'eau, tu pourrais fondre, fondre. Ah ah, ouvre-la ta grande bouche en chocolat pour nous répondre, répondre. Même s'il restait à l'ombre, il devint tranquillement chaque jour un peu plus sombre, plus fondant. Un soir, en suçant son pouce, il vit qu'il diminuait. Alors il croqua en douce jusqu'au poignet. S'il s'ennuyait à l'école, la maîtresse en devint folle. Il se mangeait un morceau. Ses copains voulaient le mordre et ce fut un grand désordre. On le renvoya bientôt. Oh oh, bout de choco, faudrait pas que tu tombes à l'eau, tu pourrais fondre, fondre. Ah ah, ouvre-la ta grande bouche en chocolat pour nous répondre, répondre. Ce ne fut pas dramatique de lui trouver un métier. Il entra dans la boutique d'un pâtissier. Et debout dans la vitrine, à Pâques ou Saint-Nicolas, il montrait sa bonne mine en chocolat. Mais un enfant de passage dit « Maman, si je suis sage, je peux manger le plus grand. » Il eut une telle frousse qu'il fut le mot « masse et trousse » changé en chocolat blanc. Oh oh, bout de choco, faudrait pas que tu tombes à l'eau, tu pourrais fondre, fondre. Ah ah, ouvre-la ta grande bouche en chocolat pour nous répondre, répondre. Oh oh, bout de choco, faudrait pas que tu tombes à l'eau, tu pourrais fondre, fondre. Ah ah, ouvre-la ta grande bouche en chocolat pour nous répondre, répondre.